Bonjour, bonjour mes vœux d'amour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout va bien. Juste à vous préciser que j'ai essayé de vous passer des vidéos, je n'ai pas pu. Pas que je ne voulais pas, pas que je ne l'ai pas fait. C'est que machinalement, sans le vouloir, j'avais créé une autre chaîne, écrit Karine Guilouette, sans marquer médiumnité ou quoi que ce soit. Et sans le vouloir, mon YouTube s'est retrouvé, et je ne sais pas comment. Sur notre adresse mail, bien sûr, et donc ça a publié sur l'autre compte. Donc, bien sûr, je vais tout vous partager. C'est une deux vidéos que je vous ai faites. Donc, je vais essayer de les récupérer, bien sûr. Au moins une, ça je sais que je l'ai encore. Je vais vous la publier. Comme je vous ai publié une petite vidéo vous précisant que j'avais créé, bien sûr. Pièce unique. Alors, bien sûr, ce n'est pas moi qui fais le contour, mais c'est moi qui le teinte, c'est moi qui pose les cristaux et c'est moi qui rajoute une protection. Alors, cette protection, alors déjà, avant de parler de la protection, déjà la fleur de vie où on peut mettre des cristaux à recharger, donc autour. Bon, après, si c'est des gros et que vous voulez commander sans les autres cristaux, bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc, fleur de vie, pour, vous savez, recharger entre deux quand vous avez beaucoup de l'utilité des cristaux. Entre la pleine lune et l'utilisation, entre guillemets, hein, et des fois on peut un peu oublier, ça peut vous permettre de recharger les cristaux. Après, bien sûr, la croix d'encre qui est une pierre de. Un symbole, pardon, de protection. Voilà, qui a toujours été reconnu depuis très très longtemps. Donc voilà, donc c'est toujours teinté, c'est au bout de noix, c'est une protection pour le bois. Et cette protection que vous pouvez voir derrière, c'est un tissu, hein, mais c'est contre la 5G. Voilà, pour protéger tout le monde. Alors ça, vous pouvez mettre sur la table de salon, bien sûr, hein, pour protéger, hein, ça, autant les animaux que vos enfants, que vous. Vous pouvez le mettre, par exemple, quand vous regardez la télévision, sur la table de salon, ça va vous protéger des rayonnements de la télévision. Voilà, comme peut-être de l'ordinateur portable, des téléphones qui vont être posés à côté, bien sûr, ça va vous protéger. Bien sûr, il peut y avoir d'autres modèles que la fleur de vie, bien sûr, puisqu'on trouve comme ça la fleur de vie. Alors ça aussi, je l'ai créé, on peut rajouter aussi des cristaux, bien sûr, avec le tissu protection derrière ce tissu protection. Alors ça, bien sûr, on peut le mettre dans la chambre des enfants, on peut le teinter, on peut le peindre, tout dépend des demandes qu'on peut me faire. Vous pouvez le faire en rose, vous pouvez le faire en bleu, bien sûr, suivant les enfants, gris, rouge, toutes les couleurs. Disons, vous pouvez, je peux le faire pour vous, bien sûr. Et on peut mettre les cristaux, ça peut être des cristaux, bien sûr, quartz rose, par exemple. Pour l'amour, quand votre foi il a manque d'amour, par exemple, bien sûr, ça c'est améthyste et citrine avec quartz blanc pour amplifier les énergies, mais on peut faire d'autres pierres, bien sûr. Et pourquoi j'ai créé cela aussi? Parce que quand on sert l'apéritif, tout bête, ça peut être même avec un café, hein. Quand vous recevez du monde, tout le monde a plus ou moins le portable sur la table et tout le reste, hein, souvent, ou dans les poches. Mais entre vous, posant votre verre dessus, vous allez vous protéger les uns des autres, même pendant un repas. Vous pouvez le mettre pour mettre le verre de vin, par exemple, ou rien qu'un verre d'eau. Je dis un verre de vin, moi personnellement, je bois pas de vin, mais bon, ça sera que pour un verre d'eau. Mais chacun fait comme il veut, entre guillemets. Et ça continuera à vous protéger les uns des autres pour être dans des énergies positives et non négatives. Puisque quand vous rencontrez des gens où vous êtes beaucoup exposé à la 5G, il y a beaucoup de négativité, vous pouvez vous ressentir fatigué, très très mal en certaines positions de personnes, déjà qui peuvent être déjà elles négatives, mais en plus par rapport à la 5G, ça risque d'amplifier. Voilà. Donc ça, c'est pour moi personnellement, pour retrouver des bonnes énergies. Vous pouvez aussi le mettre sur votre table de chevet. Tout bête, hein, ça va faire les rayonnements du portable. Il y en a beaucoup aussi qui se réveillent avec le téléphone portable le matin, hein,
Donc autant ça peut faire une pierre de rechargement pour une pierre aussi, voilà, par exemple quartz rose pour être dans l'amour, dans la chambre et tout le reste, et en même temps vous protéger du portable, et vous pouvez carrément le poser dessus, ce qui sera encore plus efficace. Bien sûr, vous pouvez fixer, on peut fixer, hein, faire des fixations pour mettre au mur, ce qui peut vous protéger. Voilà, c'est des petits trucs qu'on n'y pense pas, mais par exemple dans la cuisine, le micro-ondes, on n'y pense pas. Près de la télévision, près de l'ordinateur, près des téléphones, et même pour certains qui ont tout ce qui est EDF, hein, suivant les réseaux, il faudrait les protéger. Voilà. Donc, j'ai mis ça en place. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Et je me ferai un plaisir de vous répondre, bien sûr. Allez, on va commencer. Et voilà. Voilà. Donc, on va commencer. Allez. Qu'est-ce qu'on peut... Ouh, ça saute, ça saute. Bon, on me parle d'arrestation. Donc, on va arrêter, entre guillemets. On va arrêter. Pourtant, c'est un amour pour vous, hein. Un amour, alors là on voit un amour non réciproque, mais quand c'est à l'envers, c'est qu'il était réciproque à la base. Mais on arrête cet amour réciproque. Pourquoi? Parce qu'on donne plus ou moins des nouvelles. Et que on n'a pas purifié certaines choses. Alors, moi je voudrais savoir pourquoi déjà on arrête cet amour, hein. Parce qu'il est réciproque à la base. Oups, c'est tombé. C'est tombé. Alors, excusez-moi quand ça tombe. Bon. Déjà, il n'y avait peut-être pas des bons amis à côté de votre autre, hein, ou de vous, hein, ou peut-être que finalement, vous n'étiez pas que des amis. Peut-être qu'au début, vous étiez des amis. Peut-être une personne, moi je dirais, qui était peut-être amicale, hein, autour de vous, autour de votre autre, mais qui n'était peut-être pas si amicale que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, fort de caractère. Donc il y a peut-être quelqu'un qui s'est imposé. Hein. Peut-être quelqu'un de la famille aussi. Hein, parce que quand on dit ne pas être ami, c'est peut-être même un collègue de travail ou quelqu'un qui a parlé à votre autre ou même à vous qui était fort de caractère et qui s'est imposé comme quelqu'un de la famille. Après, on peut dire aussi que vous étiez peut-être pas comme que des amis, d'accord? Puisque c'est un amour réciproque, mais qui a une force de caractère. Donc attention, hein. Puisque justement, en étant fort de caractère, ben, ça peut faire des oppositions, et c'est pour ça qu'on va annuler. Mais on était nostalgique. Alors moi, je vais demander notre carte, surtout de quoi on était nostalgique, hein. Charnel. Alors que ça soit avec vous ou quelqu'un d'autre, hein, d'accord. En tout cas, ça peut être des plaisirs intimes. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, est-ce qu'il y avait peut-être autre chose? Bon, il n'y avait pas d'engagement, d'accord. Donc, jeu intime et pas d'engagement. Pour moi, ça veut dire qu'on va ailleurs, d'accord. Moi, c'est personnel, mais on peut le ressentir comme ça, d'accord. Il n'y avait pas d'officialisation dans ce couple, donc pour moi, c'est pour ça qu'on n'a pas on a arrêté. Voilà. Il y avait peut-être que du plaisir charnel. D'accord? C'était peut-être un amour réciproque. Voilà. Pas de coup de foudre, à ce qu'on voit, mais c'était peut-être aussi que du plaisir. Alors, pourquoi il n'y a pas eu spécialement de nouvelles ou de dialogue? Bon, en tout cas, plus ou moins des nouvelles pour des retrouvailles. D'accord? Ouh là là, d'accord. Il y a eu plus ou moins de la colère. Peut-être certaines se sont balancées excusez-moi, des trucs dans la tête. Hein. Voilà. Où on était plus ou moins dans la misère du monde. Alors, je pense que c'était pour se voir, hein, d'accord. Et parce qu'on était timide. Alors, moi, je dirais, bon, violence, plus ou moins matérielle. Moi, je dirais matérielle, peut-être pas obligée, d'accord. Mais peut-être violence verbale. Voilà.
Après, peut-être qu'on a été, ça a été plus loin hein, dans certains trucs. On peut des nerfs casser une assiette hein, sans être obligé d'aller dans la violence plus que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Après, tout dépend comment on explose. Hein. Le tout, c'est de ne pas frapper l'autre. Voilà, on peut s'énerver, on peut claquer une porte aussi. Hein, que ça, voilà, claquer une porte, c'est aussi plus ou moins de la violence matérielle. Donc, bien sûr, c'est à voir comment on juge plus ou moins la violence. Hein, voilà. C'est vrai que claquer une porte, c'est de la violence matérielle. Pourquoi on a été dans le négatif? Alors, déjà, on n'a pas purifié les choses. On parle de l'été. Donc, peut-être, on n'a peut-être pas purifié le bien-être, d'accord? Parce qu'il y avait des problèmes, des soucis. Et peut-être aussi que c'était pendant la période de l'été que ça s'est passé, où il y a eu des problèmes, des soucis. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, parce qu'il n'y a pas eu quelque chose à vie, hein. On s'est peut-être pas battu, pour certains, pour que ça soit vraiment à vie. Mais peut-être, moi je dirais un lien à la vie, à la mort, entre guillemets, et peut-être qu'il y avait une dispute. Voilà les problèmes, peut-être, qu'on n'a pas vu le négatif. Dispute peut-être alors avec quelqu'un d'autre ou peut-être avec vous, hein, d'accord? Ou on n'a pas compris peut-être que c'était pas non plus le couple à vie, d'accord? Et ça va durer plus ou moins un mois ces disputes où on n'a pas vraiment purifié tout ce négatif. Et moi là vraiment je ressens que oui, c'était pas un couple à vie et qu'on s'est battu, d'accord? Il y avait des problèmes, des soucis pour être bien. Et peut-être que ça a été pendant la période de l'été dernier ou peut-être que ça va être cet été. Alors moi je voudrais savoir bien sûr les nouvelles. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur les nouvelles? Eh ben voilà. Alors on a été plus ou moins bien, d'accord. Plus ou moins dans la stabilité. C'était pas votre âme sœur. Et en tout cas, c'est une chance, sera une opportunité déjà à se donner des nouvelles. Mais en tout cas, c'est pas votre âme sœur. Donc c'est un ami plus plus entre guillemets. Si vous pensiez peut-être que c'était votre âme sœur, peut-être que voilà, vous allez peut-être vous rendre compte qu'en vérité c'était que du plaisir charnel. Qu'est-ce que vous avez pas pensé à purifier finalement? Oups. L'ego. Le fait que, alors comme si vous, moi je dirais comme c'est tombé à l'envers, hein, moi je l'ai ramassé à l'envers, donc je la prends comme ça. Moi je dirais l'ego, mais c'est surtout la liberté. Ça n'a pas été, vous n'avez pas purifié le fait que vous êtes peut-être pas senti libre par rapport à cette situation, ou peut-être que lui n'était pas libre et que finalement. Vous êtes peut-être resté en prison par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On s'est plus ou moins protégé. Alors, que ce soit vous ou lui, il y a quelqu'un qui n'était pas libre pour moi, d'accord, et qui s'est plus ou moins protégé. Voilà pourquoi. On n'a pas vu sur le coup qu'on était bien d'accord, mais qu'il y avait des problèmes. Donc bien sûr, le problème c'est qu'il n'était pas libre. Et peut-être aussi qu'il a voulu vous protéger, peut-être en donnant plus ou moins des nouvelles. On va voir aussi. Ou peut-être se protéger à lui tout seul, ou même vous aussi. Voilà, il a mis une pause. Alors, il ou elle, moi je dirais que à la base, c'est vous, vous êtes sûrement en pause. Voilà. En tout cas, peut-être les silences. Les silences, voilà, peut-être pour moi, c'est le fait de ne pas avoir des nouvelles, c'est qu'il y a des silences. Silence, et finalement, vous n'êtes pas protégé des silences. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas libre. Et peut-être que vous aussi, vous n'êtes pas senti libre par rapport à la situation. Parce que le fait de faire des silences, et vous le savez très bien, la personne part, vous êtes peut-être
Comme ça, vous attendez la situation et vous n'avancez pas. C'est malheureux, mais le problème, c'est ça. Je vais mettre de côté, bien sûr. Et on va continuer. Qu'est-ce que la suite, bien sûr, pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Alors, ça va mettre plus ou moins 2 ans, je pense, cette situation, d'accord? Où, ben, au bout d'un moment, on va sortir de l'enfermement quand même, hein. Ce qui est bien, c'est que. Alors, ça me parle un peu des flammes jumelles, entre guillemets, le silence, vous savez, hein, le runner, comment ça se passe, c'est un peu compliqué des fois, hein. Ou gentiment, alors, on ne va pas suivre les traditions. Voilà, donc on va sortir de l'enfermement et ne pas suivre les traditions. Pourquoi? Bah, parce qu'on a, plus ou moins, on va pardonner le fait qu'il y ait eu du charnel. D'accord? Et peut-être, alors qu'on était plus ou moins dans l'abondance par rapport à cette situation. Et la tromperie, plus ou moins. Alors, moi, je voudrais savoir les 2 ans. Oups. Alors, on va plus avoir de blessures. Voilà pourquoi ça va mettre 2 ans, d'accord? Et on va décider, bah, peut-être qu'on va reprendre être libre, hein? Voilà. Moi, je vois plutôt ça. Alors, peut-être que vous allez retrouver avoir plusieurs relations, peut-être aussi votre autre, hein? Ça, il ne faut pas négliger. Vous allez sortir de l'enfermement. Alors peut-être que c'est votre autre, hein, qui va ne pas avoir le cœur brisé par rapport à la situation et par rapport au libertinage. On dit plus ça. Hein. Voilà pourquoi ça va mettre du temps. Bon, alors bien sûr, on va sortir de l'enfermement. Il n'y aura pas de photos. Donc on n'ira pas se voir sur les réseaux sociaux, d'accord? Il n'y aura pas de manipulation, bien sûr. Et ni de séduction, ni de compliments. Et bien sûr, on sera quand même peut-être, dans certaines, nostalgique par rapport au passé. D'accord? Mais c'est sûr qu'au bout de 2 ans, si vous avez plus ou moins des communications avec votre ex, vous risquez vraiment d'être nostalgique. Alors, vous allez ne pas être dans les traditions. Pas. Dans les conventions aussi, des certains, parce que vous allez peut-être sortir du lot. Hein. D'accord, pour réavoir plus ou moins un début dans votre vie, peut-être que par rapport à ceux qui attendent la flamme jumelle, vous allez sortir du lot, de dire je ne veux plus l'attendre, voilà, ça aussi, et dire je veux plus ou moins un renouveau dans ma vie, pourquoi l'attendre hein? Et surtout, ben, vous allez commencer à vouloir parler que. Ah, peut-être que vous avez lui parlé que gentiment vous avez quelqu'un d'autre. D'accord? Ou peut-être décider de dire moi je vais parler que je veux quelqu'un d'autre. Je veux rencontrer quelqu'un, donc peut-être aussi avec des amis ou d'autres personnes, bien sûr, de dire. Et peut-être aussi même parler que. Monsieur a eu plusieurs personnes, d'accord? Plus ou moins pardonné. On va se protéger, d'accord? Parce qu'il y a de la jalousie et tout, et jalousie par rapport à des plaisirs charnels, hein? D'accord? Donc on va se protéger, moi je dirais, pour pas avoir d'autres relations, entre guillemets, où on va être trompé par quelqu'un. Donc oui, vous allez en parler gentiment, de dire moi je veux un amour, je n'en veux pas plusieurs. Vous allez sortir bien sûr
peut-être des habitudes de rien dire, de se faire draguer ou quoi que ce soit. Et là, d'entrée, peut-être que vous allez ouvrir votre cœur quand, entre guillemets, quelqu'un va vouloir vous draguer et dire moi, je veux du sérieux et je veux rien d'autre. Voilà. Alors, sexe. D'accord. Vous n'allez pas lâcher prise ni être zen par rapport à la situation. Alors, l'abondance, plus ou moins. D'accord. Parce que voilà, vous allez attendre quand même son retour, plus ou moins. D'accord. Voilà pourquoi vous aurez du mal à avoir une autre relation, ou plus ou moins. D'accord. Parce que plus ou moins, vous allez dans l'abondance parce que vous attendez son retour. Et la tromperie. Vous n'allez pas faire les choix par rapport à ça. Si vous ne savez pas, peut-être, si vous êtes trompé ou pas, vous n'êtes peut-être pas à 100% sûr. D'accord? Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas bien et parce que ben, vous voulez quand même une nouvelle aventure, hein, ce qui est bien, mais ou un nouveau départ avec lui, pour certains. Mais vous n'êtes pas bien par rapport à cette tromperie. Vous ne savez pas. Est-ce que il vous a trompé ou pas? Bien sûr, en privé, on peut toujours aller voir tout ça. Donc, je vais tirer une dernière carte pour savoir si il va revenir ou pas revenir, ou qu'est-ce qu'on peut nous dire, si vous allez vers une autre relation ou pas. Il y en a deux qui tombent. D'accord. Vous allez vous protéger pour plus ou moins votre abondance. Alors peut-être que vous allez vous diriger vers votre carrière. D'accord. Votre abondance, que ce soit financière ou toute autre abondance. Mais peut-être que vous allez penser à vous protéger au moins financièrement. En attendant. Alors plus ou moins. Parce que vous allez plus ou moins guérir. Petite carte, petite, qu'on pourrait nous donner comme conseil en amour par rapport à cette relation. Admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Alors peut-être, c'est compliqué, hein, bien sûr. Donc on est dans le cœur. Peut-être qu'il vous a vraiment aimé. Peut-être qu'il vous a rien dévoilé. Peut-être que ce sera le prochain qui vous aura peut-être rien dévoilé. Pour moi, on parle de votre ex qui a eu plusieurs aventures, voilà. Mais peut-être qu'il ne vous a pas dévoilé qu'il avait des sentiments pour vous. Alors c'est sûr que c'est un peu compliqué. Là, j'imagine que d'avoir cette carte, ça peut faire réfléchir. Alors, je dirais que bien sûr, il n'y a qu'en privé. Il n'y a qu'en privé qu'on peut savoir. Voilà. Avec le pendule, avec bien sûr les cartes, la médiumnité. Puisque en étant médium, on peut vous renseigner un peu plus, hein, bien sûr. Et on peut confirmer avec le pendule les baguettes de radiesthésie pour savoir, bien sûr. Vous savez très bien que le runner et le chaser, et ça, on va tirer quand même les cartes, ont leur parcours un peu compliqué, vous le savez. Et ça, c'est très très dur. Donc on va faire vous, le chaser, en premier, dans quelle situation vous êtes. Je ne demande qu'une carte, bien sûr, pour savoir dans quelle situation, hein, comment vous êtes-vous en ce moment dans votre parcours. Alors, tic-tac. Bon, vous avez compris synchronicité, vous êtes resté quand même plus ou moins patiente, hein, mais vous êtes dans la bulle temporelle. Donc, ben, vous attendez encore quelque part. Donc là, si vous voulez savoir, vous êtes encore en attente. D'accord?
Donc vous attendez plus ou moins encore le retour. C'est un peu compliqué. Donc ce qui peut-être vous bloque pour pouvoir avancer. En tout cas pour le chaser. Hein. Pour le runner, dans quelle étape il est encore? A-t-il avancé peut-être depuis la dernière fois? Pour certains, certaines. Ou ça me gratte. Je travaille sur moi, réflexion, il est dans la réflexion. Donc, voilà, il pense à vous secrètement, hein, entre guillemets, mais voilà, je travaille sur moi. Donc, il est à peine dans la réflexion, ça peut être très très long. Donc, pour certains, peut-être que vous aurez le temps de faire votre vie, hein. C'est malheureux de dire ça, c'est souvent ce qui arrive, hein, le runner revient quand vous êtes en couple. Il a compris des fois peut-être trop tard et c'est comme ça que vous avez un choix à faire qui est des fois très compliqué. C'est comment aussi pardonner à votre autre. On va voir dans le parcours, hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Le lien sacré. Énergie tierce et négative, vous voyez? Dépendance et addiction, situation, on est dans l'ego spirituel encore. Voilà. Donc il y a peut-être, que ça soit de votre côté, du sien, encore des énergies tierces à leur avoir, parce que peut-être vous, vous avez déjà purifié, il y a peut-être encore des choses à purifier, hein. C'est surtout des addictions dans certains, peut-être vous, vous êtes encore dans l'addiction de lui, mais comme lui, il y a peut-être encore des énergies tierces pour qu'il puisse avancer. Ou peut-être carrément l'ego. Peut-être qu'aussi, vous vous retrouvez peut-être en effet miroir dans l'ego. Bien sûr, c'est à voir à faire. Hein. Comme je vous ai dit en privé, on voit dans quelle situation vous êtes. Parce que autant vous pouvez être dans l'ego, mais lui aussi. Et donc, où là, vous êtes bloqué énergétiquement. Et c'est pour ça que vous allez me dire, Karine, tu vas parler de soi énergétique. Ben oui, couper les liens négatifs. Ça permet ben, des fois de permettre que la personne ne reste pas dans l'ego. Là, on a parlé de dispute. Cette dispute a été comment? Est-ce que vous pouvez comprendre? Ça fait des effets négatifs. Donc, des fois, de couper ces liens négatifs permettent aux personnes de se reparler. Et surtout aussi, après, il y a les soins énergétiques sur le karma. Couper les liens karmiques que vous pouvez avoir avec cette personne. Pourquoi je vous en parle? Parce que d'être dans le karma, déjà, ben, vous risquez d'avoir encore des foudres karmiques, ce qui n'est pas la solution, voilà, je vous le dis, ce qui risque de vous bloquer énergétiquement. Donc, il y a bien sûr, il y a le karma le karma des vies transgénérationnelles, mais il y a le karma du présent, où on peut travailler énergétiquement dessus. Donc, comme ça, s'il doit revenir, on peut donc couper les liens, faire le karma. Et bien sûr, après, il y a d'autres choses hein, qu'on peut faire aussi, mais qui peuvent vous permettre peut-être que s'il doit revenir, peut-être revenir plus vite déjà, mais surtout aussi pouvoir vous libérer pour faire votre travail et lui le sien. Parce qu'en restant dans les liens énergétiques, hein, que ça soit tout lien d'âme, quand vous restez dans la colère, ce n'est pas bon. En coupant les liens négatifs, vous coupez la colère. Après, bien sûr, la personne est-elle prête à pardonner? Mais en coupant ça, énergétiquement, vous avez déjà coupé beaucoup de liens et la personne, elle pourra revenir plus facilement au dialogue, au moins, je dis bien. Et peut-être ça vous permettra de rentrer en contact avec cette personne ou lui avec vous. Alors, bien sûr, on est dans l'illusion de la séparation unie à l'origine et pour l'éternité. Donc, c'est comme si vous étiez toujours ensemble, entre guillemets, et séparés en même temps. Vous voyez, donc pour avancer, c'est un peu compliqué, hein? Très très compliqué. Donc, oui, vous êtes toujours connecté. Voilà. Vous êtes connecté. Sauf que, ben, il y a encore le travail à faire. Voilà mes belles âmes, mes bouts d'amour.
N'hésitez pas si vous avez besoin d'une guidance, bien sûr, soit énergétique si vous avez besoin. Vous savez comment me contacter, il y a toujours tout en barre d'infos. Ou bien sûr, vous me laissez un petit message et je me connecte toujours régulièrement, même si pas, pendant un moment je ne l'ai pas fait. J'ai répondu à tous les messages. S'il n'y a pas de réponse aux messages, c'est que je ne les ai pas eus. Je vous le dis, c'est que je ne les ai pas eus. Donc, réessayez. Ou sinon, vraiment, contactez-moi en privé. Donc, même si vous ne trouvez pas mes coordonnées, bon, logiquement, vous tapez sur la petite barre d'infos en bas et vous les avez. Sinon, cherchez-moi, Karine Guillouette, sur Facebook, vous allez trouver. Hein, ma tête n'est pas différente. Et vous me trouverez. Envoyez-moi un message un message privé et vous verrez que je vous répondrai. Voilà, bien sûr, si vous me demandez un ami, il n'y a pas de souci. Mais marquez-moi, Karine, c'est pour vous m'envoyez un message en MP et expliquez-moi pourquoi. Parce que bien sûr, il y a des personnes que des fois, ils ne mettent pas beaucoup de photos, donc j'ose pas trop dire oui. Pourtant, je ne suis pas la fille à ne pas accepter. Mais suivant les profils, je vais dire non. Voilà, je le dis, hein, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de faux profils. Bien sûr, je pourrais me connecter à mes guides pour avoir la réponse si c'est un faux profil, même si les trois quarts du temps me dit. Mais des fois, j'ai pas du tout envie de me prendre la tête. Je vous le dis, je regarde à peine. Je vois qu'il y a deux, trois photos. Mais parce que voilà, je fais d'autres choses comme tout le monde. Et après, je ne revais pas. Je vous dis, je l'avoue, et je pense que je ne suis pas la seule. Je ne revais pas des fois sur la personne, même si je n'ai pas spécialement regardé. Donc, pardonnez-moi, c'est pour ça que je dis envoyez-moi un message en privé. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt comme d'habitude. Et mille bisous. À bientôt.